J'étais en live? Non! Mais qu'est-ce que j'ai foutu? Mais what the fuck is that shit? Hein? Petit message avant de commencer la vidéo, je tenais tout simplement à m'excuser pour la qualité de la vidéo qui parfois sature un tout petit peu. J'espère que ça ne vous gênera pas tant que ça. Mais en fait, je vous explique, j'ai totalement fail. Et en fait, si vous voulez, j'ai filmé cette vidéo en live. Et du coup, ce qui explique que la qualité est moins bonne que d'habitude. Donc du coup, je m'excuse, je ferai plus attention à l'avenir. Et je vous souhaite tout de même un bon visionnage. Ne m'en tenez pas rigueur, je suis vraiment, vraiment, vraiment désolée. Bisous à tous. What are you waiting for? Parce que des gens m'ont dit ouais tu dis plus yo tout le monde, tu dis hey, salut tout le monde et tout, c'est stressant. Alors du coup rechange, alors du coup j'ai rechangé, voilà c'est tout. On va commencer avec la fluff question, qui est une fluff question de Coco Asiel qui me demande d'appeler toi quelle est la ville la plus belle. Alors je pense que tu parles de parmi mes villes, donc c'est Fluffy que je kiffe, 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 kiffe en ce moment. Après c'est Kimera et c'est Poudlard en dernier, Poudlard je m'en lasse, voilà tout simplement. Ah, je ne sais plus quoi faire sur Poudlard, je suis bloquée et Fluffy m'inspire en ce moment même, donc du coup, voilà, voilà. Donc, depuis la dernière fois, j'ai installé tout simplement mes panneaux photos, j'ai rien fait de spécial. Alors, beaucoup m'ont demandé comment tu fais pour avoir les arbres roses constamment. En fait, je me mets toujours à la même date, au 10 avril, tout simplement. Chaque fois, je recule. Non, 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 tu n'iras pas plus loin, tu resteras au 10 avril. Donc, vous m'avez envoyé plein de panneaux photos, j'en ai sélectionné 3. Donc merci à tout le monde. Vous avez pu voir que l'intro de la chaîne a changé d'ailleurs. Vous retrouverez la personne qui m'a fait l'intro dans la description et on le remercie. Merci Mysterious Gamer, Mysterious Community. Tout simplement, j'espère que vous l'avez kiffé. N'hésitez pas à dire votre avis comme d'habitude. Voilà, voilà. Oh, regardez. Alors voilà, j'ai mis le petit motif ice cream. Une petite licorne quand même pour faire le féerique. Et un petit morceau de chocolat. Donc voilà, depuis ça a poussé un petit peu ici. On va devoir détruire ça et on va s'attaquer à ce petit coin. Maintenant il y a deux pierres, je sais pas pourquoi. Attendez, ça doit être une pierre à casser. Voilà. Ok. Ah non. Meuf pas douée, mais alors pas douée du tout. Voilà. Ah, ça tombe bien, c'est un rubis rose. Attendez, on va le foutre, hein. Ici. Donc comme d'habitude, je vais aller prendre mes ustensiles qui me servent pour faire... J'ai eu cet habitant qui est moche. Oh, j'ai eu Choco. Merci, merci, merci à la personne qui m'a donné Choco. Hein, Madame Tulipe, voilà, tout simplement. Donc merci à toi. Franchement, merci beaucoup. Voilà, j'ai eu Choco, donc c'est la petite information de la vidéo. Donc comme d'habitude, vous avez les sondages qui sont... là-haut, ici dans le i, donc vous pouvez pas les voir sur tablette. Si, sur tablette, je crois que vous pouvez les voir, et sur certains téléphones, hein, voilà, tout simplement. Donc si vous avez 30 secondes pendant la vidéo, ça ne coupe pas la vidéo et tout, et ça me permet à moi de savoir, hein, quels épisodes que vous préférez voir la semaine prochaine. Donc comme d'habitude, les mêmes choix, Kimera, Poudlard, Visite Onirique, tout ça, tout ça, tout ça. Donc il n'y a pas eu de vidéo Animal Crossing, enfin vraiment réel sur le jeu. Mercredi, j'ai préféré faire un top. Alors, c'est pas que j'ai préféré faire un top, c'est tout simplement que je n'avais pas le moral de filmer. Enfin, pas le moral, mais plutôt la santé pour filmer. Je n'étais pas bien, j'étais fatiguée, j'étais très très mal. Et donc du coup, je me suis dit que j'allais être tout simplement inintéressante pendant cette vidéo. Comme à chaque fois que je me sens mal, à chaque fois qu'on n'est pas bien, on n'est pas au taquet. Et je me suis dit, ça va être nul. Donc du coup, j'ai préféré sortir une vidéo que j'avais filmée il y a déjà très longtemps. Voilà, c'est tout simplement la petite raison. On va mettre des bambous. Non, c'est pas des bambous, c'est des... D'ailleurs, je veux des bambous. Voilà, on m'a dit que ici, il y avait trop de patterns et qu'il fallait que je coupe avec des bambous. Donc, bonne idée. Voilà, tout simplement. Donc merci pour tous les patterns que vous m'avez demandé. Il y en a plein qui m'ont dit oui, je t'ai envoyé des patterns pour ta ville. Tu m'as dit que tu les prendrais, mais je les vois toujours pas en vidéo. Alors tout simplement parce que j'ai pas débloqué mon troisième personnage et que du coup là j'ai plus de place dans mes motifs. Donc du coup il va falloir attendre. Mais en effet, j'ai bien sélectionné des patterns que beaucoup de personnes m'ont envoyé. Donc voilà, à partir du moment où je vous dis ouais, c'est beau, je vais les prendre. Voilà, c'est pas. Je les ai pris. Alors, écoute. Voilà, pousse-toi. Ça fait peut-être longtemps qu'on s'est pas parlé, toi. J'aimerais pas que tu te casses comme ça d'un seul coup. Parce que maintenant j'ai aménagé ta ville, hein. Enfin ma ville de fonction à ce que tu restes. Alors Choco, voilà, il s'est exilé tout au fond de la map, tout simplement. Bon bah écoutez, c'est qu'il est bien. Ah, j'ai envie de vous dire. Je vais casser cette. Je le casse ou je le casse pas? Non, il est bien là. Ouais, il est bien là.
Ouais. On va dire ça comme ça. Du coup, comment je vais m'organiser là, maintenant, tout de suite? La question du jour. La question de Fluffy. Vous m'avez vu bugger, mais d'une de cette façon, enfin... ouais, non, en fait, je vais couper cet arbre. Parce qu'en fait, je vais mettre deux cerisiers en fleurs. Ah mince, j'ai mis trop de clochettes. Je vais mettre deux cerisiers en fleurs à côté de notre licorne, notre ami la licorne. Voilà, je trouvais que dans l'esprit féerique, ça faisait plutôt bien. Donc là, on va pas beaucoup mettre de patterns au sol parce que bah, il me faut mon troisième personnage pour pouvoir poser des patterns un petit peu différents des bonbons pour faire un endroit un peu plus féerique. Hein. Voilà, voilà. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'au prochain épisode, on fasse une décoration. Mais pas n'importe quelle décoration. La décoration de la maison de Anya. Donc, qu'est-ce que va être la maison de Anya? Je tiens à vous le dire maintenant tout de suite. Hein. La maison de Anya va tout simplement être un restaurant. Voilà. J'ai envie de faire un restaurant, ok? Et je trouve que le thème restaurant, ça commence. Ça correspond bien à Anma Gaming. Voilà. Donc, du coup, on va faire un restaurant. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux planter des arbres. À chaque fois, je prends 10 000 alors que c'est pas ça que je veux. Hop. Hop. Donc du coup, ce sera le restaurant de notre ville Fluffy. Voilà, tout simplement. Mais un vrai restaurant, pas comme celui qu'on a fait pour notre maison de Fluffy. C'était un peu sa pièce principale, entre guillemets, qu'on a fait dans la maison de Fluffy. C'est pas vraiment un restaurant, ça va être sa maison, quoi. Enfin... normal, j'ai envie de vous dire. Du coup, je parle, mais en même temps, je sais plus trop ce que je fais. Voilà. Je pense à changer de couleur de cheveux dès que j'aurai le coiffeur. Parce que c'est pas la folie. Hein. On va peut-être se mettre les cheveux blonds et bronzés. Ouais. Je sais pas, en fait. Je suis en train de réfléchir à comment faire. Toi, tu vas tout simplement partir d'ici. Tu me fais mal aux yeux. Mais par contre, la souche, je vais la garder. Je vais manger mes cerises. Comme ça, ça prend pas de place dans mon inventaire. Hop. En plus, on m'a envoyé plein de petits motifs sympas avec des gâteaux qui ont du coulis, de fraises. Enfin, il y a vraiment des trucs sympas que vous m'avez envoyé. Ok. J'ai tout simplement fait ça dans le vide. Hein. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse maintenant? Moi, je propose de mettre deux bambous ici afin de changer un petit peu les photos que vous pourriez prendre dans ma ville quand le code onirique sera disponible. Hein. Voilà. Donc, mine de rien, quand on aura fini cette partie-là de Fluffy, eh bien, en fait, on aura fini toute la partie... Attendez. Gauche, droite. Droite de la ville. J'ai eu un gros bug, j'étais en mode... Attendez, c'est la partie gauche, c'est la partie droite, c'est... C'est la partie quoi? Là, on va mettre deux buissons. Mince, j'ai planté deux buissons de la même variété à côté. Bon, c'est pas grave. Et là, je vais tout simplement revenir fermer. Ok, c'est un cornet de chocolat qu'un abonné m'a offert. Hein. Il était là, il traînait. Voilà. Ah bah du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser là le cornet de chocolat pour les visites oniriques. Hein. Tout simplement. Ouais. Parfois j'ai des bonnes idées. Parfois c'est la dèche, hein. Mais autant parfois c'est pas trop mal, ça cogite. Ça cogite. Je sais pas si mes bambous vont pousser ici. Mes bambous. Oh, mais y compris mes buissons! Oh, j'en ai marre! J'ai du mal à parler! J'ai plus rien sur moi. S'il vous plaît, arrêtez de chanter. Vous chantez trop fort. Vous me faites mal aux oreilles. Hop! Je sais même pas si j'ai encore des buissons. Bon, visiblement, ça a l'air d'aller. Je vais en profiter pour prendre des trèfles au passage. Pour peut-être commencer à faire... Hein. Ah mince, non, ça c'est un jeune cèdre. N'en veux point. Voilà, je vais commencer à prendre des trèfles pour... Ok, ce sont que des jeunes cèdres. Ouais, ça fait deux fois que je commence ma phrase. Hein, pour commencer à faire les sols de ce lieu. Voilà, tout simplement. Oh, moi je vous le dis, ça a du mal là-dedans. Ça fout tout, hein, ça tourne pas bien. J'ai plus de trèfle. Ah, bah si, et quand même. Hein. D'ailleurs, comment je vais être dans la merde quand j'aurai plus de trèfle. Oh là là, si vous saviez, les amis.
Je suis en train de déprimer au fait de me dire que je vais bientôt avoir plus de trèfle. Que je vais être en mode non, on va le faire. On va prendre une sucette. On va prendre une sucette. Et c'est tout. Voilà. Hop. Hein. On continue. Donc mine de rien, c'est important. J'insiste sur le fait que vous ayez vraiment voté dans le sondage et pas dans les commentaires. Parce que certes, je vois ce qui est demandé dans les commentaires, je réponds, je dis voilà. Mais pour moi, ce n'est pas pris en compte. Enfin, je me base vraiment sur le sondage, sur ce qui a été mis dans le sondage. Genre, Fluffy arrive toujours avec au moins 60%, voire 70%. Et donc du coup, je sais que par semaine, il va y avoir au moins un épisode de Fluffy. Je me base beaucoup plus sur ce qu'il y a là-haut que dans les commentaires. Je vais pas m'amuser à compter tous les trucs qu'il y a à rajouter, en sachant que vous avez peut-être voté, mais que... Enfin, vraiment, c'est embêtant. Voilà, j'espère que vous comprenez ce que je vous dis. Donc vraiment, si vous avez 5 minutes, que vous avez le sondage qui est affiché, bah vraiment, allez mettre votre petit curseur dessus. Franchement, ça vous prend 30 secondes. Vous n'avez même pas à vous créer un compte à quoi que ce soit. Vous avez juste à cliquer sur le bouton de votre échouette. Voilà. C'est pas la officielle étude. On est déjà à 10 minutes de vidéo. C'est triste. RT si c'est triste. Hop. Pourquoi j'avais pris les buissons déjà? Pourquoi j'avais pris les buissons? Mais pourquoi j'avais pris les buissons? Pour refermer ici, vous croyez? Non, seriously. Vous pensez sincèrement que j'ai fait ça? Mais du coup, j'en ai pas pris assez. Ouais, à mon avis, c'est ce que j'ai dû faire. Mais du coup, j'en ai pas pris assez. Alors des fois, comme je vous ai déjà dit, il y a pas si longtemps que ça, il y a au moins une minute dans la vidéo. Des fois, ça cogite, mais autant des fois, ça cogite pas bien là-haut. C'est assez approximatif comme cogitation. T'as rien à me dire, toi? Mais pourquoi vous avez jamais rien à me dire? Donc du coup, ici, jusqu'ici, ça va être des patterns chocolat. Et après, ça va devenir un petit peu plus rosé. Un petit peu plus la rositude. Hein. On va mettre celui-là. Et on va mettre un autre macaron de l'autre côté. Voilà. C'est les macarons. Ensuite, il va y avoir des fleurs derrière. Hop. Hop. Donc, c'est peut-être voué à changer. Je sais pas. En ce moment, je me pose beaucoup de questions. Je me dis peut-être changer ça, changer ci, faire cela. Vous avez rien compris parce que j'ai pas envie de vous spoil. Hein. Donc, c'est fait exprès. Hop, et j'ai eu plein de patterns vraiment sympathiques que vous m'avez proposé. Et... Eh, j'ai pas mis de trèfle hein, dans cette histoire-là, de pattern. Hop. Et... Ah, hop. Voilà, là on a un trèfle totalement naturel qui est venu se mettre ici, mais comment vous dire qu'il m'arrange légèrement. Et là, je vais tout simplement compléter avec un morceau de chocolat. Et après, je vais vraiment toucher à rien parce qu'ici, ça va être rose. Et par contre, à partir d'ici, ça revient à la bobontitude. Voilà, tout simplement. Alors, on remet la bobontitude. Plante. Ah, j'aurais préféré qu'il soit ailleurs. Bon, c'est pas grave. Tu me diras. Hop. Là, je vais venir mettre un pattern comme celui-ci. Et je vais mettre un espèce de... Je sais pas comment ça s'appelle, ça. Vous savez ce que c'est comme bonbon, sérieusement? Est-ce que ça existe dans la vraie vie? Je connais pas du tout, en fait. Mais quand je vous dis que je connais pas du tout, je connais pas du tout. Oh là là, 13 minutes de vidéo. Fluffy, t'es trop longue! Après, beaucoup m'ont dit la vidéo longue, c'est mieux. Mais après... Il y a des gens qui peuvent pas regarder les vidéos longues parce que bah, y a des choses à faire le week-end, tout simplement. Hein. J'ai envie de vous dire, c'est normal. Hein. On a tous des choses à faire le week-end. Hein. Voilà. On a tous une vie. C'était la phrase philosophique de Fluffy. Voilà. Et du coup, je vais m'arrêter là. Et à partir d'ici, ça passera sur quelque chose de plus rose, plus féerique. Il va falloir que je trouve ça. Toi, tu m'attends, s'il te plaît. Merci beaucoup, hein, monsieur. Et c'est un bon début. Mine de rien, quand tout ça aura poussé,
Et bien du coup, vous y découvrirez dans l'épisode de la semaine prochaine. Ou peut-être que je vous mettrai une photo à la fin de la vidéo de... Ouais, je vais vous mettre une photo à la fin de la vidéo de comment est-ce que ça a poussé. Voilà, donc juste là après. Et puis moi je vous dis à ciao tout le monde et on se retrouve la semaine prochaine sûrement pour un épisode de Fluffy. Je vous invite à aller voter là-haut pour vos épisodes préférés. N'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner si jamais cette vidéo vous a plu. Je viens de me ridiculiser devant tout le monde. Et puis moi je vous dis ciao tout le monde. Je vous fais des gros bisous. Bye bye, c'était Fluffy. What are you waiting for?